Bonjour, mes choubidous. Aujourd'hui, nous allons voir un petit truc sympa. C'est comment je vais utiliser les sérums et tout ce que j'ai eu de mon calendrier de l'Avent Lancôme. On y va? Ok, j'espère que ça va vous plaire. Go. Alors, tout d'abord, je vais prendre le sérum Généfique, comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est une pipette, hein. Je vais vous montrer, comme ceci. Voilà. Je vais prendre, je ne perds pas les gouttes, hein, parce que je mets dans la main, comme ceci. Voilà, je n'ai pas besoin de plus, hein. J'en mets comme ceci. Ça sent bon. Et je fais ceci. Et je vais faire comme ça. Ça colle un peu, mais c'est très agréable. Voilà. Il n'a pas besoin de beaucoup parce qu'on sait que. Voilà, ça. Je vais faire comme ceci. Ça fait du bien. Ça rentre un petit peu partout. J'en ai pas besoin de beaucoup. Tout était dans la paume de ma main. Alors là, j'ai mis le sérum. Maintenant, je vais mettre le sérum pour les yeux. Alors, le sérum pour les yeux, c'est plus particulier. Il est comme ceci. Il y a une petite boule, comme ceci. C'est l'échantillon, hein. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup. C'est un petit peu la queue. Je vais vous montrer. Voilà, c'est un petit peu une texture un peu particulière. Donc, ce qu'on fait, ben, on va mettre sous les cernes, parce que ça permet avec la petite bille d'aller bien sur les cernes. La petite bille. Maintenant, j'ai pas besoin de plus, hein, faut pas que j'en mette. Faut pas le tremper, faut le tremper qu'une fois. Hein. Maintenant, je vais faire comme ceci. Là, où il y a les petites ridules. Pour le faire matin et soir. Voilà, où il y a des petites ridules, comme ceci. Vous faites comme ça, vous voyez, parce que vous n'avez pas de rides, vous faites ça et croyez-moi, elles sortent. C'est des petites ridules d'expression, je crois. Voilà, hop, et hop, ça fait un petit peu frais, c'est très 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 agréable. Voilà comment je mets les deux sérums, celui pour les yeux, c'est, alors, vous savez quoi? Vous savez, hein? Il faut que je prenne ma loupe et que je mette mes lunettes. Voilà. Alors, hop, avec la lumière, voyez, c'est génial. Elle est géniale celle-là. Hein. Je vous assure, une petite loupe, je l'ai achetée, mais on peut en trouver, je crois, sur Amazon. Advanced Genefic Yeux Light Pearl. C'est celui-ci. Moi, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et vous avez Advanced Genefic Concentré Activateur de Jeunesse. Faut le faire tous les jours. Alors j'en ai deux comme ça, donc ça c'est top, je vais pouvoir bien le tester. Et puis là, j'en ai qu'un seul, mais il n'en faut vraiment pas beaucoup. Par contre, celui-là, il en faut peut-être un petit peu plus parce qu'on le met dans le creux de la main. Et après, vous faites comme ceci, voilà, au niveau des yeux. Toujours les petites ridules. Et pourquoi pas là? Après tout. Voilà, donc maintenant, je vais utiliser la base de maquillage. Je vais utiliser l'anti-cerne de chez Lancôme. Alors pour moi, c'est le top du top. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Une petite pointe. Alors moi, pour moi, la couleur est parfaite. Vous voyez? Pour moi, c'est une couleur vraiment parfaite. C'est l'échantillon que j'ai eu. Mais je suis pas déçue du tout. Donc, il n'en faut vraiment pas beaucoup. J'en ai mis de trop, hein, je vous le dis. Voilà. Vous pouvez prendre le pinceau, hein. Si vous n'avez pas envie de vous salir les mains, vous pouvez prendre le pinceau. Allez, on prend avec les mains, c'est parfait. Voilà, moi je trouve que cette anti-cerne, c'est une tuerie de chez Lancôme. Je ne vous cache pas que quand j'en ai plus, je vais le racheter. Hein. Et là, nous avons la base de maquillage de chez pareil. On teste les produits du calendrier de l'Avent. Moi, je fais des mouvements circulaires, comme ceci, sur le commissure des lèvres, ici. Voilà. Vous avez vu l'anti-cerne, comment il est incroyable. Voilà, ben ça c'est ma petite routine que je vais faire tous les matins avec celui-ci, ce pour les yeux, celui-ci, activateur de jeunesse, celui-ci, la base de maquillage, et celui-ci, l'anti-cerne. Voilà, c'est ce que je vais faire tous les matins. Je pense que ça fait effet parce que ça picote légèrement, mais rien. C'est juste que ça fait effet, quoi. Après, je vais mettre, une fois que j'ai mis ma base, je vais mettre mon produit miracle.
Celui-ci, je viens de l'acheter. Vous pouvez l'acheter. C'est sur le site Herborian. Vous avez un code avec le code bienvenue avec un E en majuscule. Vous n'avez pas la livraison à payer. La livraison est gratuite. Et en plus, moi, ils m'ont fait un super cadeau. Ils m'ont offert un joli petit. Je vais vous montrer. C'est vrai que je fais. Vous savez quoi? Vous pourrez me suivre sur Instagram parce que c'est Sybille Chouidou. Sur Instagram, je fais énormément de choses. Je suis tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Et ils m'ont offert ceci. Alors, j'avais rien demandé avec une boîte. Alors, donc, je vous recommande. Après, moi, je vais utiliser ceci de chez Herborian. C'est vraiment une tuerie. Je sais qu'il y a les crèmes en tube, mais moi, ça fait une peau de bébé. C'est couleur beige doré. Je l'adore, je l'adore. Alors, j'ai reçu dans cette belle boîte, comme ceci. Elle était bien. Il y avait du papier de soie. C'était magnifique. Mais je la laisse pour Ivy si elle veut aller dedans parce qu'elle aime bien aller dans les boîtes. Et puis, je peux m'en servir. On peut s'en servir. Elle est vraiment très, très jolie, hein, parce que normalement, ça coûte 43 euros. J'en ai eu pour 17 euros et c'est mis dans une boîte. Je pensais que ça n'existait plus. Je suis très contente que c'est un cadeau. Comme ça. Une petite carte avec on a envie de vous faire plaisir. Bah, du coup, je trouve ça trop. Puis c'est tout moelleux, c'est tout doux. C'est vraiment Herborian. Franchement, je ne suis pas déçue. Et donc, voilà le fameux produit magique que j'adore. Alors, tout d'abord, on ouvre. Vous avez une petite glace. Ici, vous avez une houppette. Je m'en sers, hein, donc vous avez une houppette comme ceci. Vous voyez, c'est la couleur que vous allez voir. Ici, vous soulevez. J'enlève la houppette. Moi, je fais attention parce que Ivy, elle adore le make-up. Et ici, vous avez la couleur. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre la petite houppette comme ceci. Voilà, et vous allez tamponner une fois. Et vous tapotez comme ceci. Je l'adore. J'en mets sur les yeux, hein, j'en mets partout. Bon, moi, c'est la couleur beige doré, hein. Et voilà. Mais dites-moi franchement, j'adore. Moi, j'ai découvert Herborian grâce à ça et depuis, je ne peux plus m'en passer. Voilà, donc maintenant, ce qu'on fait, on fait ceci. Moi, je mets toujours la petite languette. Je remets la languette comme ceci. Je ferme et je remets ma petite houppette. Et je ferme. Ben, le oula oula pour finir. Voilà. Mon pinceau est en train de sécher l'autre. Alors, du coup, j'en ai pris un autre. Alors là, on peut y aller, hein. On peut même mettre là comme ça, il n'y a pas de problème. J'en ai plus. Qu'il y a des racines. Alors, je vous conseille de John Frieda la poudre, comme ceci. Et il faut la glace est devant, alors ça va. Et vous faites ceci, comme ça. Vous avez deux teintes, hein. Moi je mélange les deux teintes. Hein. Vous voyez? Moi je les mélange, je fais 1, 2, 3. Donc c'est John Frieda. C'est fait exprès. Hein. Et ce que vous pouvez faire, d'accord? En même temps, vous voyez ma tenue. Voilà, je vais me baisser. Comme ça, vous allez voir. Alors moi, j'ai fait du ras du cil, comme ceci. On va faire l'autre. Et je tire moi la paupière. Je sais que c'est pas terrible de tirer la paupière, mais moi, je la tire. Voilà. Eh bien, vous pouvez. Franchement, on va le faire en bas aussi. Voilà, faire très attention en bas. Hein. Alors moi, je ne sais pas faire la pointe, donc je ne la fais pas. Le jour où on m'apprendra à la faire, on va faire plus épais. Bah ouais, parce que. On fait plus épais, comme ça, c'est mieux. Alors, eh bien, vous pouvez partir tout simplement comme ceci, puisque vous avez du houla sur les yeux. Voilà, attendez. Voilà. Prendre ce pinceau-là. Je vais prendre cette palette-là.
je vais prendre celle-ci. Alors oui, je pourrais faire comme ceci, c'est-à-dire là, et comme ceci. Vous faites. Faites comme ceci. Voilà, il faut estomper pendant des heures. Je déteste. Et là, je vais prendre l'autre pinceau de ce côté-là. C'est un double pinceau. Et je vais prendre. Ici, je tapote. Je tapote légèrement. Voilà. C'est l'autre côté, hein, vous inquiétez pas. Voilà, celui-là, je mets du highlight. Et je vais. Non, mais là, sans glace, c'est dur. Voilà, là, je reprends la glace. Voilà. Et nous avons plus qu'à prendre le hypnose. Il est où? Voilà. Le hypnose de Lancôme que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, full size. Et bien sûr, il faut que je regarde parce que si je regarde pas. Hop. Pas si vous allez regarder, hein, mais voilà, moi je vous montre un petit peu ma routine du matin avec le make-up. Mais sachant que j'ai de moins en moins de vues, je sais pas pourquoi, mais beaucoup, beaucoup de moins en moins de vues. Ça ne veut pas dire que je suis pas remarquée parce que je suis remarquée par une télé. Mais voilà, j'étais étonnée d'ailleurs qu'on m'ait remarquée comme ça. Parce que je dis, il y a des milliers de personnes et ça m'a fait bizarre. Donc j'étais très très contente. C'est une chaîne sérieuse. Ouais, moi qui suis comique, c'est une chaîne sérieuse. Je dis rien tant que c'est pas fait. Voilà. Eh bien, sur ce, j'ai encore une chose à faire, c'est le crayon à lèvres. Comme ceci. Voilà. Attendez, il faut que. Je vous jure qu'il faut que je me regarde. Voilà. Et donc, j'ai mes lèvres qui glissent. Voilà. Parce que franchement, des ridules ou je sais pas, j'ai rien. C'est tout lisse. Donc, ça glisse. Mais ça, c'est depuis toute ma vie, hein. J'ai jamais eu les lèvres exquintées, gercées, avec des petites fissures. J'aurais bien aimé. Non, elles sont toujours lisses. Regardez. Voilà, elles sont vraiment lisses. Et maintenant, je vais mettre le rouge à lèvres en souhaitant qu'ils tiennent. En souhaitant qu'ils tiennent. 1, 2, 3. Make-up Révolution. C'est un gloss métallique. Voilà. Make-up du jour. Il me manque une chose. De toute façon, il faut un petit pinceau. Faut pas un gros pinceau. Voilà. Et comme dit Marion Caméléon, sur le bout du nez. Je ne mets pas ici parce que j'aime pas. Et voilà. Voilà, mon make-up du jour est fait. Je vous embrasse très fort. Si ma vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à abonner-vous, liker, partager, commenter. Voilà, et je vous tiendrai au courant ou pas. Je ne sais pas. Tout destin. Il va encore partir en cacahuète. Rien que le fait d'avoir été remarquée, je vous jure que ça touche énormément. J'étais très très touchée. Parce que c'est une belle émission que je ne m'attendais pas. Voilà, je vous le dis ni la chaîne ni rien, mais c'est quelque chose de connu. Voili, voilou! Je vous fais des gros bisous. Je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, likez. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez mon make-up du jour, comment vous trouvez ma routine, parce que comment j'ai utilisé les produits Lancôme de mon calendrier de l'Avent. Voili, voilou! Sur ce, je vous embrasse très fort. Bye. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez.